qui vient en secret. Alléluia. Mais vous pouvez aussi lui remettre en main, comme ça elle saura qui a donné. Amen, c'est toujours bon. Et alléluia. Et voilà. Moi, si j'étais une sœur, je prendrais ses contacts. Si elle est aux États-Unis et que je m'ennuie, je l'appellerai, je dirais, c'est un peu, j'ai une fin de semaine, je voudrais venir, est-ce que je peux trouver une place en dessous de ton lit pour dormir, ou quelque chose comme ça. Amen. Parce que moi, j'aime les connexions. Amen. Et entre les enfants de Dieu, il faut qu'il y ait des connexions. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous avons des millions de frères et sœurs partout à travers le monde. Mais il faut juste rester connecté. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si les livres de ces saintes vont être faits. Ouais. La sœur Jolie va faire. Moi, je voulais dire quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre va dire quelque chose, mais j'étais tellement touchée par sa présence. Parce qu'elle a laissé tout chez lui. Elle a une famille, elle a une maman, elle a un papa et tout. Et elle a des travaux à faire. Elle pouvait bien faire d'autres choses, mais elle a vu les besoins des les pasteurs sportsmen et les besoins des missions et les fardeaux de l'œuvre de Dieu qui lui a amené jusqu'ici. Et moi, ça m'a vraiment énormément touchée. Et voyant sa humilité, elle n'est pas venue pour être vue, pour dire, oh, mais voici, je suis là, et personne ne me regarde, personne ne dit rien. Non, elle faisait juste son travail. Amen. Et moi, Sœur Amber, je suis vraiment touchée. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Énormément. Et merci pour cet exemple. Exemple dans l'œuvre de Dieu, parce que des fois quand tu travailles pour Dieu, c'est pas pour être vu, c'est pas pour être reconnu, mais c'est juste tout simplement pour l'amour de la croix. À cause de la croix, elle est venue ici. Sœur Amber, ton travail n'est pas en vain. Alléluia, que Dieu te bénisse. Honnête avec nous et d'être honnête avec Dieu aussi. Alors j'ai dit à Amber, j'ai dit, je suis honnête avec moi, je te connais pas, je sais pas quoi dire, mais je sais que si tu es présente avec nous, c'est que tu es quelqu'un de bien. Alors aujourd'hui, je peux vous dire que Amber est plus que quelqu'un de bien. J'ai eu l'occasion de la revoir à 2-3 reprises. Demain, elle est invitée chez moi aussi pour un dernier repas. Elle est patiente. C'est une fille qui est sans jugement. Alors, elle a accepté les raisons pour lesquelles je n'étais pas toujours présente à l'église. Sans le juger, elle est revenue quand même me voir. Alors, c'est une fille que j'adore et elle va me manquer énormément. Et j'ai pris son adresse aussi.
Présence m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Je sais que tu ne le sais pas, mais ça a réveillé quelque chose en moi. Tu sais, juste le fait de, comme Maman Jolie avait dit, de sortir de ton confort pour aller faire ce que Dieu te demande de faire, ça prend beaucoup. Moi, je dois dire que ça me pousse à faire la même chose. Peut-être pas forcément ce que tu fais, mais à répondre à ce que Dieu me demande de faire. Merci. Juste été disponible pour nous de Dieu. Je sais que c'est important et que le Seigneur va beaucoup te donner. Montreal. We didn't know who was going to watch the babies. I did not want to put them in a gardery. We were torn as to what to do. And God always comes in time. It was very last minute, but he did come on time through Amber. Our hearts are with you. And whenever we are rejoined together in the continent of Africa, we cannot wait. And we know that God's going to do great things through you. Alors, j'étais
vraiment très heureuse de rencontrer la sœur Pearl et de savoir que c'est ma compatriote. Elle parle plus ma langue que moi-même, en fait. On se rendit compte de cela et j'apprécie beaucoup quelqu'un qui a cette passion-là, qui aime les gens et puis qui est prête à tout vraiment pour pouvoir atteindre les âmes. J'ai vu les photos, ils sont allés dans les prisons, dans différents endroits à nommer dans le pays autour, juste pour pouvoir atteindre les âmes. Comment elle fait l'effort d'apprendre la langue pour pouvoir toucher plus de monde. Et ça, c'est vraiment beaucoup. Et je suis vraiment heureuse de l'avoir rencontrée. Et je rends grâce à Dieu pour elle. Parce que je sais que quand je prie pour que le Seigneur envoie les personnes dans mon pays, il envoie des gens comme elle et puis ça se lève. Je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup tout le monde. Quand j'arrive à ma chambre, je commence à pleurer. Parce que je suis un peu triste. Tu es dans ma vie, dans mon cœur, tout le monde ici. Je suis très contente parce que je connais vous maintenant. Et Dieu, tu es très grand. I'm very happy to know you. It takes me a while to get confident enough to talk. Ça m'a pris du temps pour avoir la confiance de parler. It's been an honor to worship God. It's been an honor to worship God. It's been an honor to You always have a special spot in my heart. And even though I'm going to be gone, I will always remember you and think of you. And even one day, just want to be back with you and worship God. Vous allez avoir toujours une partie dans mon cœur. Et même si je vais vous quitter, mais j'espère qu'un jour je vais adorer avec vous. You didn't have to do this. But thank you so much. It just. Wow. Merci beaucoup. And one day I will return. I will be back to this. Sincèrement, je n'ai pas grand chose à dire. Maman, je l'ai tout pris dans ma bouche. Mais je sais, c'est juste pour. Ce qui m'a vraiment frappé sur la sœur Andy et je les ai vraiment à rester comme elle est, ne change pas. J'ai beaucoup apprécié son esprit, un esprit très simple et très humble. Amen. Demain quand tu y es, reste quand tu y es, c'est ça qu'on veut. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon.
va juste prier pour la sœur Amber. Si quelques sœurs ayant la foi peuvent se réunir autour d'elle, on va prier que la main du Seigneur la garde dans ses projets de mission au Togo, qu'elle ne traîne pas trop en Amérique du Nord, mais qu'elle aille le plus rapidement possible dans le champ de mission où elle est appelée à servir. Amen. Alléluia. Père éternel, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, Papa, d'avoir permis que nos chemins se croisent. Père, nous prions, Kabachat, et que nous ne passons pas à côté de la raison pour laquelle tu as fait que nos chemins se croisent. Éternel, nous remettons la sœur Amber entre tes saintes mains. Nous prions que tu protèges son départ et son arrivée, Seigneur. Papa, et Kabachat, que ta main repose continuellement sur elle et que tu dis chacun de ses pas, Seigneur Jésus-Christ, Père. Alléluia, Jésus, il a rachaté avec le fardeau sur elle, Seigneur, pour le continent africain. Nous prions, Papa, que ta provision l'accompagne également, Père. Papa, le plus tôt possible, Papa, que tu l'envoies sur le champ de mission, Papa, où il est plus utile à ton œuvre, Seigneur. Père, nous te remercions pour son exemple, son humilité, Seigneur, et sa volonté de servir en toute capacité, ô Éternel. Père Éternel, garde-la, Papa, protège-la et pourvois pour elle, Seigneur. Sois son socle et son bouclier, Seigneur Jésus-Christ. Sois sa provision, Papa, nous te prions, Seigneur. Alléluia. Et ouvre continuellement, Seigneur, devant elle, cette porte d'opportunité. Et Papa, il a rachaté, que tout soit fait pour l'honneur et la gloire de ton nom. Que tout soit fait pour l'honneur et la gloire de ton nom, Père. Alléluia, que de ces moments, que de ces lieux, Seigneur, naisse quelque chose, Papa, qui perdurera jusqu'à l'éternité, Seigneur, pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, battons l'honneur pour le Seigneur. Descendre rapidement et on va.